Bonjour, bonsoir la famille, comment nous y est? C'est avec même plaisir, même l'amour, beauté pour nous. Une nouvelle vidéo, m'a salué toutes amis nous yo qui abonné à chaîne ça, ça nous même travail là, pas ta possible, merci à chaque monde qui abonné, qui like ou bien qui partager vidéo. Hier moi pas de gagner chance pour te vidéo pour nous même parce que moi gagné un internet qui a bon problème et ça fait que nous pas de présent. Mais je dis à moi là, m'a porté un petit bout de vidéo qui pas trop long, mais bagaille difficile en République Dominicaine côté que il n'a pas suivi actualité ya matin côté que magistrat d'Abon non aller sous frontière mesdames messieurs pour aller porter vidéo pour nous-mêmes c'est avec l'eau dans les magistrat garder ça qui a passé sous frontière à côté que yo ouvre porte yo bien large mais malheureusement pas gain pièce haïtien qui fait au cas en pile produit à gâter c'est en pile réel qui gagne en République Dominicaine on a suivi un petit extrait avec moi mesdames messieurs regardez là nous avons tristesse et marqué sous visage et magistrat Véron qui vient visiter et marché. Eh bien, j'aime cette annonce depuis hier et la pauvre frontière, la pauvre marché, barrière marché pour tout haïtien qui a rentré venir acheter. Eh bien, monsieur vient passer visiter, vient regarder comment ça est. Eh bien, saisissement pour elle, monsieur campé dans le coin là, la pour réfléchir parce que yo même yo l'ouvri frontière par yo l'ouvri barrière par yo et bien bon haïti arrêté fermé et autorité dit pas ka gen baye comme ça yo grand moun la kayo nous grand moun la kay nou et bien c'est ça et k'ap passé dans moment là monsieur vini là monsieur déboussolé j'en ai regardé dans vidéo là monsieur et nous senti dans visage monsieur son nek qui senti paniqué parce que nous connaît et population dominicaine la banne yo pile pression parce que pour nous bouche fermer frontière sans pas connait pour qui raison fermer et bien bagarre la vire dans main yo et en pile déficit a fait dans camp yo et monsieur vini là matin là j'en ai regardé là monsieur monsieur gain problème monsieur gain problème et frontière haïtien pas l'ouvrir c'est ça n'a pas ça c'est magistrat et d'arabon nous moun ki sorti dans zone dehors yo a konnen sa m'pral di là les parents noal dans marché et n'a gardé qui côté y a sorti pour porter qui choy pour manger c'est ça qui passé magistrat d'arabon dans là l'a gardé côté ou yon délégation haïtienne a vini pour capable venir parler avec yo bien des marchands. On n'est pas jamais fait dans toute frontière là, c'est comme ça ça est, parce que grand pile pression qu'a bail si toutefois que yon haïtien a l'acheter dans main République Dominicaine et bien il prend marchandise là ou prend un pile bâton. Et ça fait un pile haïtien peur et bien yon pas aller mesdames messieurs. Mais gien un pile rel. M'va le porter un petit bout de vidéo côté que gien yon commerçant qu'a parlé côté que dit pas pour qui raison Luis Abinadel a l'agacé haïtien yo. Gen l'autre façon ou te ka fè ou kampe canal la côté il dit c'est rat kap joué pelota en dan côté marchandise yo ye a commerçant dit c'est en pile million kap gaspiller là en pile machine marchandise kampe pas capable entrer li dit encore et gouvernement te ka choisi prend partie de l'opal là haïtien yo prend partie de l'opal yo a mais ta fè guerre à distance mes amis il pas ti poser affecté commerçant yo c'est parti crier qui gagne pour faire nous tendre qui ça t'a dit mesdames messieurs tranquila que hay los haitianos piden una reunión con los comerciantes con la parte local aquí cuál es la situación real bueno mira con respecto a la situación entre nosotros y el vecino país hemos sido dos pueblos siempre que han vivido en hermandad en unión especialmente en el área comercial siempre hemos luchado juntos por sobrevivir. La mayoría de nosotros aquí, comerciantes, dominicanos y haitianos, no dependemos de otras cosas que no sea de ese comercio. Y cuando nos vemos afectados en esta condición, donde miles de millones de pesos se están perdiendo, cerrados allí bajo candado, donde los ratones están jugando pelota encima de esas mercancías, pues la gente se desespera, ¿me entiendes? Y con razón, ahora, no yo en lo personal entiendo que no había una razón para cerrar la frontera de esa forma. No había una razón para poder todos esos camiones, esos cañones de frente a Haití por un simple problema de agua que se podía resolver. Tú tomaste agua de allá, yo te la tomo de aquí. Y seguimos esa guerra por ahí. Tú tomas allí, yo te tomo aquí, pero el negocio debió seguir fluyendo en su normalidad, porque no era que venía un millón de haitianos a invadirnos con armas. Aquí no se le ha tirado una piedra a nadie, aquí no se le ha dado una galleta a nadie. ¿Y por qué afectar
un comercio tan grande como este en las cinco fronteras, el haitiano tiene un sistema, que el haitiano si dice en Dajabón que no va a entrar un huevo, hasta Jimaní Pedernales no entra un huevo, porque ellos cuando se unifican son duros con respecto al comercio. Mira la situación de hoy, se abrió la frontera. Ellos están permitiendo que el que quiere venir de paseo o a comprar cualquier cosa, le permiten pasar, pero si regresó allá con una funda en la mano, perdió la funda. Entonces yo te digo a ti, yo tengo más de un mes analizando por dónde que se está afectando la soberanía del país. Sí, el país está por encima de todo. Yo tengo 8 hijos, si tengo que sacrificar los 8 por mi país, lo hago. Mi vida por igual, pero ¿dónde que estamos afectando la soberanía? No se le ha tirado una piedra a nadie. Ellos están tocando un agua que ellos dicen que le pertenece. Pudimos buscar los otros medios para parar ese canal. No hacer lo que está haciendo. Mira cuánta gente hay aquí, ya hoy sufriendo, con problemas en los bancos, con deuda, familia llorándole, con su mercancía perdiéndose ahí, cerrada. ¿Cuál es la razón? No le veo una razón. Hermano, tú hablabas de que si ellos entran con una fundita se la rompen. ¿Quiénes que hacen eso? ¿Los demás? No, yo no te puedo decir quiénes lo hacen, porque yo soy dominicano y estoy en Dominicana. En su país le están prohibiendo que entren con mercancía. ¿Qué exigen? Tampoco te puedo decir qué exigen, pero no se lo están permitiendo. Ellos se están dando el lujo y el orgullo de decir que no quieren negociaciones con nosotros. Ahora, yo entiendo que no debemos tampoco estar llorando tanto y humillarnos ante ellos, porque el que ellos no quieren negocio, no quieren negocio. Pero hay que pensar bien lo que se hace, porque hay cosas que traen consecuencias políticas con el tiempo. ¿Tu nombre es? Carlos Alberto Mateo. ¿Cómo se va a no respetar? Porque él dice, le un frontier bon decisión, si tout frontier qui fait même genre. En tout cas, en qu'embe dignité, en qu'embe consacré à la pape campé, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.